Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de sortir ce vlog là. Sous ma capuche se trouve ma nouvelle coupe et je suis actuellement dans ma nouvelle voiture. Ça va être deux éléments importants de ce vlog déjà. On va pas y aller par quatre chemins, vous avez vu, il y a pas eu de vlog pendant 3 semaines. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me plaisait plus de faire un vlog par semaine. J'ai testé pendant 1 an jusqu'à mars là. Au début c'était bien parce que les travaux trop intéressants, parce que la vie, le début, etc. trop intéressant. Et puis à un moment donné, je commençais à me forcer à faire des vlogs, à essayer de trouver tout le temps des petits trucs à faire et tout, et ça me plaisait pas en fait. Je le faisais plus en contrainte, ça devenait une contrainte. Donc nouvelle formule des vlogs, ce sera un vlog par mois. Sortira tous les derniers jeudis du mois. Notez ça dans votre agenda, mettez un rappel récurrent maintenant, faites-le, je sais pas. Tous les derniers jeudis du mois, un vlog qui sort sur la chaîne, qui résume tout le mois entier. Simple, efficace. Et j'en profite, venez me follow sur Insta et likez cette vidéo si elle vous a plu à la fin, c'est super important. Et pareil, les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'ai trop envie de lire vos commentaires. Bref, sous ma capuche, il y a une nouvelle coupe. Juste derrière moi, il y a ma nouvelle voiture. Vous allez découvrir tout ça dans le vlog et beaucoup d'autres choses. C'est parti, let's go! Hey, salut, ça va? Comment ils vont le vlog? Seb a une idée géniale, c'est le jeu des stories. L'idée c'est quoi? On doit tous faire la story la plus nulle que si jamais on regarde notre téléphone et qu'on verrait cette story, on fasse pour... On est parti sur le thème, la table qui était devant nous. Il faut qu'elle soit crédible un peu. J'ai la mienne. Voilà ma story nulle que quelqu'un aurait pu faire. Viens avec la carafe d'eau. Avec le super. La fin de journée pour commencer la semaine sur le dos de base. Je connais tellement de gens qui font ça. Elle est très réaliste. Le filtre violet que peu de gens utilisent. Et le relax qui est très gros. Relax. Et en fait ce qui m'énerve c'est que je connais des gens pas mal proches qui font ça. Moi j'ai opté pour la surenchère. Oh la vache. Mais qui peut faire ça? Franchement je la trouve un peu surréaliste. Après avoir vu la tienne, elle est un peu surréaliste. Je me suis gravement embêté que vous. Hashtag je suis une galère. Hashtag désolé pote. Ce qu'on se demandait avec Seb, il y a des gens, il y a des influenceurs plus précisément, qui arrivent à rendre génial chaque instant de leur vie. Et moi je reste dessus et j'analyse chaque petit détail de la story. Je dis, elle est top sa vie. Et moi je n'y arrive pas. Et Seb n'y arrive pas non plus. On ne sait pas raconter notre vie, c'est un truc de fou. J'ai une idée. Oh putain, c'est long. C'est très réel. C'est ça qui fait que c'est très fort. Pas de jugement évidemment, mais c'est juste que c'est un peu drôle parce que il y a un côté attendrissant. T'as envie de lui envoyer un DM, au gars, lui dire force à toi, force dans tes projets, je te souhaite que ça aille bien et tout machin. Petite devine au boulot lol, tout seul mais bon. Je suis trop triste. Je m'en veux un peu. Elle m'a tristé celle-ci. Le jeu s'appelle Storyble, vous pouvez jouer et envoyer vos pires storybles. Je suis outré. Je suis outré là. Comment c'est possible mon gars? Mais en fait il est venu avec la machine et c'était marqué 49 machin. Mais je croyais que c'était 19 ou un truc comme ça. Je dis ok, pose la carte et je vois le billet 49,50. C'est simple, on a bu une bière comme ça, fois 3. C'est la note la plus honteuse que j'ai vue de ma vie. Do you know the price? The beer is like 16. One beer? Waouh, oh je suis choqué là. Vous saviez les prix et tout? Mais c'est un truc d'où? Mais là je paye plus que la tour Eiffel, là normalement je suis censé être en haut de la tour Eiffel là. Mais là je suis outré, je vais le garder précieusement celui-là. Petit plan astuce à tous ceux qui font du tourisme sur Paris. Le café du Trocadéro, 34 euros la pinte. Si vous avez de l'argent à dépenser dans une bière qu'on peut trouver partout. Ici elle est meilleure, venez. Non. Elle est juste meilleure parce que tu te retournes et tu fais oh la tour Eiffel. Et en plus on a fait des vannes sur le fait qu'on faisait des pires stories sur la tour Eiffel. Oui, et je suis de dos, je la vois même pas. En fait, génial, les moins bons plans. Les moins bons plans c'est une vidéo génial. Les moins bons plans de Paris. Ça, mais tu vois ça par exemple. J'ai envie de faire les moins bons plans de Paris. Est-ce que tu viens on fait les moins bons plans de Paris? Ouais, on fait ça sur la chaîne. Ouais. Let's go mon gars. Et on fait tous les moins bons plans de Paris. Ah mais let's go. On dépense des sous dans les trucs qu'on recommande. C'est l'anti-OP. C'est l'anti-OP. Cette vidéo est d'utilité publique. On voit si ça chauffe les gens. Et moi je suis très chaud. Si ça vous chauffe. L'anti-radin. Ah oui vraiment l'anti-radin. Je suis en retard. J'ai un tournage avec Squeezie, Billy et Amine et je suis en retard. On tourne un truc de fou. Bonjour. Parfait, magnifique. Ça va bien? Jordan, enchanté. Et en fait, c'est ça. Il y a quand même certains. Ça va? Ça va quoi, frérot? Ouais, j'ai failli pas venir. Mais frérot, on dirait qu'on est. Mais là, mort. On est cramé. On est dans l'au-delà. On est dans le tunnel. On est dans le tunnel. Après la mort. Tu vois, moi j'aime bien faire des plans un peu mystiques, tu vois. Angélique, moi, le mec, il a un AirTag sur lui. Là, on a fait un tournage, vous êtes pas prêts pour Avril. Et dès que la scène, elle s'active. Là, il y a du très haut niveau de préparation. C'est très bien ce que tu fais là. C'était cool, on s'est régalé. Là, le massage, c'est bon. Ah, le massage, je me régale autant que le massage au tournage. Les deux, le. Ah ouais. Mais t'es très bon, mais pourquoi? T'es bon, mais vraiment bien. Il est vraiment bien, je jure que c'est vrai. Aujourd'hui est un grand jour parce que aujourd'hui je vais enfin récupérer ma voiture. Depuis décembre j'ai plus de voiture et je me suis enfin décidé. Et en plus on m'amène. Oh là 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 là. Hello.
Comment ça va, Sébastien? Ah, c'est le grand jour. Ouais, ça y est. Putain, je vais avoir une voiture. Enfin. Sébastien qui travaille chez Volkswagen Groupe Boucher, ça? Oui, c'est ça. Et j'ai mis du temps à me décider. Hein. Salut Albin, tonton Seb, regarde à qui je suis. Salut Albin, regarde, t'es même dans le vlog. C'est vrai qu'il y a du monde hein, quand même qui regarde la vidéo. Dites-moi un peu qui vous êtes dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie. Là, je vous avais tout. Ça m'intéresse. Combien vous gagnez? Regardez-moi ça là. Elle est livrée comme un cadeau. Je suis content là. 2 mois sans voiture, c'était chiant. T'es mal, Michel. On va commencer les papiers ? Ouais, allons-y. Eh ben merci beaucoup. On fait les papiers, transition café. Merde, putain. Je viens de renverser du café sur la cam. Ok, c'est bon. Ouais, je suis prêt. Je vais filmer comme ça. Ah, vous y étiez à deux et tout. Oh là là, la découverte. Ouh. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est très triste ce qui vient de m'arriver. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est des pigeons qui vont chier dessus et qui sont blancs. Mais je suis heureux, je suis grave heureux, elle est magnifique. En vrai, je suis un peu pudique, j'aime pas m'extasier devant les gens, mais là... Et je vous ai pas dit, ils m'ont offert une bouteille. Et j'ai eu une petite bouteille de crément parce que dépenser 40 000 balles dans une voiture, bah c'est cool d'avoir une bouteille de crément. Ça m'appelle, je sais pas qui c'est, mais c'est certainement pour me dire félicitations pour ta voiture. Allô? Oui, je te dérange 2 secondes, c'est juste pour savoir où t'en étais. Je viens d'avoir la meuf de la conférence de Simon qui me dit qu'il a fini. Si t'es là dans 15 minutes, c'est bon, sinon laisse tomber. Je suis là dans 15 minutes, je viens d'avoir ma voiture à l'instant. Ah, allez, c'est parfait, je lui dis que t'es en route. Vas-y, à toutes. Ouais, mais attendez, ça m'a mis un coup de pression là. Oh, mon premier trajet dans ma nouvelle voiture, c'est du stress. Je dois aller à une conférence, j'avais promis, souvenez-vous, dans un vlog, que j'allais à une conférence avec Simon. Sauf que c'est tombé le même jour où j'ai récupéré ma voiture. Voilà! Ah! J'ai ma nouvelle voiture! Ouais. Magnifique ambiance. Ah, attendez, j'ai mal réglé la cam, on voit rien. On la refait en 2 spi, genre. Ok, waouh. Ouais. Parfait, les boss. Tu veux venir faire quoi? Moi, je venais vous raconter l'histoire de Walt Disney. Ah ouais? Ouais. Je pensais que t'allais faire un truc de motivation. Ouais, mais c'est de la motivation en vrai. À travers Walt Disney. Ouais, à travers Walt Disney. Et t'as rien fait pareil. Rien du tout. Il a juste une vision de fou malade. Genre en mode, il a dessiné aucun Disney. Voilà, tout simplement. Il a rien dessiné, juste il avait une vision et il s'est entouré de gens trop bons. Ah, l'ambiance et tout. C'est, ah ouais, c'est parfait. Là, ah là, c'est parfait là. Ouais, c'était lourd. Et c'est trop intéressant, je vous invite à regarder le docu. Et c'est trop motivant. Si vous cherchez des trucs motivants comme ça, j'ai plein de rêves, mais c'est trop motivant. J'avoue que toi, tu m'as dit sous la douche, tu regardes des trucs motivation. Je ouais. regarde des vidéos sous la douche. Voilà. Qui fait ça? Tu demandais la routine, je sais plus qui demandait une routine. La routine. Je me sens pas seul. Quand t'es là, t'es un peu éloigné le bras et tu regardes des trucs. Il y a un peu de goût, du coup, t'es sur la savette, tu regardes. Bon, ouais, on connaît. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même seul. Je pensais qu'il y avait plus de mains et tout, mais on est un peu seul. Mais bref, Walt Disney, le message, c'est juste vision de fou. Genre, faut croire grave en vous et vous entourer de gens qui croient en vous aussi. C'est aussi ça, là, je suis en plein dedans en ce moment, l'entourage et tout, c'est trop important. Tu parles bien? Ouais, ouais. Franchement, mais j'ai rien préparé là, j'étais un peu en stress et tout, je viens de récupérer ma voiture, je suis trop content. J'ai un Golf 8 et je suis refait. Quand tu parlais de s'entourer des bonnes personnes, est-ce que c'est impossible entre vous avec l'autre? Est-ce que tu as senti un impact en vous deux? Un impact sur les... De te donner un exemple très concret, Simon, ça tombe bien, parce qu'en vrai, je faisais une série sur les vidéos DIY. J'en ai fait 3-4 et elles ont tapé 7-8 millions de vues. Genre, c'est abusé, c'est énorme, genre, c'est vraiment colossal sur YouTube. Alors que c'est une idée de soirée. Et c'est une idée de soirée avec Simon. Genre, Simon, il montre un truc, un tuto DIY et tout, il me dit. Et personne rigole. En non, plus, personne rigole. Je montre à la soirée, personne rigole, mais moi, juste les tutos, je me dis, mais c'est trop drôle. Genre là, juste là, c'est drôle. Ouais. Et tout le monde est là, qu'est-ce que tu racontes? Et je montre à Jordan, on est un peu bleu, et on rigole, et il se dit, bah, vas-y, je le fais. Exactement. Et tu vois, l'entourage, c'est important, mais là, c'est 5 secondes dans une soirée qui ont apporté un truc de fou derrière. Ouais. Merci Simon de m'avoir invité. On l'avait dit, on l'a fait. Franchement, c'est lourd. C'était très très lourd. Au revoir tout le monde. Vous serez tous dans le vlog. Je vais faire énormément d'argent sur votre dos. Monte dans le bolide. Et en plus, c'est même pas non plus une gamme de fou par rapport à celle que j'avais. C'est juste la nouvelle génération. Franchement, je tiens à préciser, c'est une grande première. Ta voiture est propre. Gros. Oui, mais voilà. Je laisserai pas faire cette fois. Fils de pute. Ça va être un gros changement là pour moi. C'est énorme. Hein. Lève tes cheveux. Déjà la ligne, est-ce qu'elle est ouais, ouais, elle est clean. Ouais. Putain, ça fait plaisir déjà. Donc pas de flat Turkey, j'évite ou j'y vais juste en vacances quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ça part.
Ouais, te plante pas. Hein. Là, Alizé. De toute façon, le dégradé, on fait comme d'hab. Ouais, le dégradé, il est, bah, le dégradé, il est frais comme d'habitude. Fresh Barber, Angers, vous connaissez pas, mais si vous connaissez pas, venez. Mais ce qu'il est. Attends, c'est comment là? C'est dégueulasse. Wow, ça change de ouf, hein. Ça change de ouf, ah, mais il ça reste... fait bizarre. Ça change. Oh, ça change de tête. Ouais, ouais, ouais. Ouais, viens, viens. Alors, Ibou. Waouh, eh, putain, ça te rajeunit de fou. Ça me rajeunit. Oh. Ouais, viens là, viens là, viens là, viens là. Viens. Oh, t'es augmenté, Ibou. Putain, t'es tellement augmenté, mec. Bonne réponse. Non. Les boss, ici. Fresh Barber, merci beaucoup. Je t'en prie. Franchement, ça défonce. Moi, je suis content. Bon, en vrai, très sérieux. Très premier degré, là. J'aime bien. J'aime bien pour l'instant. En fait, ça me choque pas plus que ça. Franchement, ça passe de ouf. Pète sa mère ou ça passe? Attends, faut que je m'habitue un petit peu, ouais. Petit choc mental vite fait là. Ouais, petit choc mental. Mais je crois qu'on est sur un pète sa mère de ouf en fait. Oh, c'est pas comme les autres groupes, j'aime un peu moins peut-être. Ok, t'es honnête. C'est quoi cette coupe? Ça veut dire quoi ça? Ça te va pas mal. Ouais. Mais c'est pas ce qui te va le mieux. C'est quoi que t'aimes moins là? Bah, je sais pas, c'est au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il se passe quoi? T'as fait une choucroute? Je sais pas, c'est quoi? T'aimes pas? Oh putain! Ah, t'aimes pas alors? Pas trop, non. Et pourtant, c'est une coupe un peu militaire, t'aimes bien d'habitude? Bah, dans ce cas, tu rases plus court. Ouais, non, mais c'est bon, pas plus court. On dirait quoi? On dirait, tu sais, dans les visiteurs là, mon Mireille. Putain. Bon, t'aimes pas ma coupe non plus? Je l'aime pas, c'est que ça fait bizarre. Ouais, bon, alors, mets une petite note sur 10, là. Ah, là, sur 10, franchement, là, franchement, 3. Non, 3. Allez, 5 sur 10. T'es gentil, papa. Stéphane, ils t'en disent quoi? On verra. On verra votre avis à vous. Dis quoi, elle m'a dit que j'avais été un bol. Ça y est, elle m'a fait complexer, là. Ma propre mère m'a fait complexer. En plus, elle est full honnête. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Voilà comment on joue au basket. La dernière fois, on avait fait un tirage au sort pour savoir qui commence par le gros ou le petit. Maintenant, vu que j'ai eu le gros la dernière fois, c'est Théo d'avoir le gros cette fois. Et ce sera sur sa chaîne, du coup. Tu as une heure pour devenir le meilleur animateur. Ok, bouge pas. Quoi, comment ça bouge pas? Ok, j'ouvre. Génie aveugle tu seras, ou chose immonde tu mangeras. Oh non, putain, mais c'est Fort Boyard là ou quoi? Okay, donc tu vois, ça c'est un puzzle d'un enfant. Honnêtement, je peux le refaire, je pense. Ouais, donc du coup, tu as une minute pour le refaire, les yeux bandés. Ouais. Si en une minute tu échoues, tu auras trois petites choses à manger. Vas-y, les pièces. Un petit peu. Ça c'est le plateau qui est... où il n'y a rien dedans. Les pièces. Les pièces sont là-dedans. Ok, je les veux toutes vers moi là. Attends, laisse-moi. T'as le droit de prendre 5 secondes pour toucher un peu les pièces et toucher le plateau. Ok, je lance le chrono dans 3. Non, non, je sens pas dans 3. 2, 1. Ouais, c'est bon. Démarre. Oh, parlez, dis des choses. Oh, quoi, j'ai. Ouais, là, t'es bon. Allez, let's go, Jordan. Super. Ah, je suis bon là aussi là. Ouais. On doit t'aiguiller ou pas trop sur ce que tu fais? Gros, bah après, c'est. Là, t'es bon. Ouais, alors après, il y a des menteurs dans le lot, genre. Ah ouais, bah je t'écoute que toi parce que c'est bon. Bah là, dis-toi que sur toutes les pièces que t'as mis, il y en a peut-être aucune qui est bonne, quoi. Non, 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 jure, là, ta mère, j'en ai aucune. T'as vraiment aucune pièce bonne. Tu chauffais. Un peu à gauche. Voilà. C'est où? Je vois même pas la pièce. Ah, mais il est dessus. Ah non, oui, ok. Ouais, yes, let's go. Okay, plus que 10 secondes, okay. Gros, c'est mort. Allez. Quoi? Quoi? C'est mort, let's go! Il y a trois petites choses, c'est vraiment des petites quantités, hein, t'inquiète. Hein. C'est quoi ça? C'est des verres à soie à la mangue. Celui-ci, je ça te va. Promets, il est bon. Je les ai mangés, ils sont bons. Okay. On dirait un peu des croquettes pour chat. Rien de ce que je veux. Ouais, bah top. T'as déjà mangé des croquettes pour chat? Ça, c'était rassurant. C'est bon, franchement. Voilà. Franchement, non, arrête. Ça va. En fait, je pense à ce que c'est. Non, non, c'est un petit bout de fromage. Mais Emma, si t'es ok à manger des verres à soie... C'est ton problème. C'est ton problème, ouais. C'est quand même un peu dégueulasse. On est sur un criquet curry coco. Ça, c'est un peu plus dur, je vais pas mentir. Allez, hop, réfléchis. Ah, putain. Attends. C'est le croquet qui... Oh, le bruit que ça fait, c'est horrible. Ah, il a pas avalé. Le dernier, c'est pas prêt. Non, mais là... Putain, tu vas tellement bégayer en voyant les larves vivantes là que tu dois bouffer après. Ah mec, il y a un truc vivant là, c'est... Vas-y. Vas-y, je regarde ta bague, C'est des scorpions.
Ils sont morts, hein. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a rien. Ils sont morts, bah c'est bon alors. Allez, nickel. C'est bon. Oh, le bon que ça fait. Je suis obligé de tout manger ? Non, mais ouais, t'as pas un coup. Bon gros croc, c'est bien déjà. Hein. Ouais. Tu sais, mange un tiers et puis. Je suis obligé de tout manger. Oh, un bon gros croc, c'est bien. Non, mais genre, jusque là, tu sais. Voilà, tu t'as pas un croc, quoi. Allez, vas-y, c'est bon, j'y vais. C'est parti. Ah putain. Réfléchis pas. En fait là, ça va, je peux faire comme ça, c'est ok. Mais je sais que quand c'est je vais croquer, ça va être dur. Oh là. Oh, une bonne chips. Ça va. Oh, le croc, oh, le croustipanage. On dit bonne chips. Putain, merde. On peut pas dire chips après. Faut un verre d'eau. C'était quoi le pire des trois? En fait, ça. Mon ami Simon. Vas-y. Ouais. Non, t'inquiète, non. Bah, ouais, je suis allergique au scorpion. Ibou, vas-y, toi. Je suis allergique au scorpion. Mais t'es un menteur de ouf. Vas-y, Ibou, dépêche-toi, c'est fait, on fait pas des caisses. Ouais, on fait pas des caisses, pourquoi t'es loin? Ah, pourquoi t'es loin? Hein? T'es loin? Je suis loin, là, du truc. Viens manger un petit. Attends, j'ai non, ce que je vous propose. Un petit œil, un œil de blatte. Ok, alors, verdict. Attendez, les gars, c'est immonde. Verdict, c'est dégueulasse. Faites le cri le plus fort que vous savez faire. Aigu ou? On a le droit ou on a pas le droit? Oui, t'as le droit. Ok, en plus, j'ai un début de rhume. Vas-y. Ah, ça c'était beau, putain. Mais je t'en ai pas rendu compte. Je suis Simon, il a fait des dires. J'ai vraiment me lever pour faire le coup, moi. Non, fin du gage. Ah ouais, bah merci. C'était super, en tout cas. Merci. Cette idée. C'est toi, ça. Voilà, voilà. On a fait avec Cédric une... C'était une table basse en résine époxy. Vous vous souvenez ou pas? Je vous l'ai promis depuis 2 ans. Je ferai un épisode 2 où je ferai une river table et ça ressemble à ça. Voilà. Cédric a fait à 70%. Bah tu rigoles. Bah, vous verrez dans le vlog, c'est Jordan qui coule le... Oui, le ça blé. Ils ont déjà vu normalement. Quel bâtard. Bon. T'es prête ma poule ou pas? Il nous a vraiment enfermé ce con. Oh. Ouais, il a mangé la clé. Il vient de manger la clé. Non, c'est possible. Mais Simon. Simon, non mais il est fou. T'inquiète pas, je défoncerai la porte. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire ça toi. Ouais, c'est bon, au final c'est bon. Attention, Cédric sur fond vert. Paf. Allez, la blague. Oh. Ah oui. Non mais là, oui. Ah ouais, défonce Cédric. C'est magnifique là. Ça te plaît tant mieux. Elle est magnifique, tu veux dire? Elle est vraiment trop belle. C'est exactement ce que j'avais en tête. Et en plus, elle reprend la DA du studio là, le mur et tout. Et d'ailleurs, merci à Henri. Nom Joïka, projet tableau en résine. On nous a livré ce plateau en bois. Ça m'intéresse pas. Le fichier est prêt, on va pouvoir commencer. Pour déconner, Joïka, j'espère que le résultat te plaît. J'imagine que tu vas mettre de la résine noire dans les stries. Je pense que le résultat va être incroyable, donc j'ai hâte de voir ça. Je te souhaite quand même bon courage pour tout ce qui est ponçage et polissage. Ah, c'est pas mal là, on se rend compte là, ouais. Voilà. Oh la vache. C'est Henri qui a taillé la table avec le mur. Ah. Une image de moi dans 8 heures maintenant. Top ça. J'ai coupé du poulet pour mes madas. Voilà. Hop là. Nickel. Est-ce que c'est intéressant? Non, en vrai, c'est ma petite. C'est une petite morning routine un peu. Front Paris, 11 mètres d'altitude. Tout environ 2000. Les deux vlogueurs. Bah, c'est poussé. L'arrivée, les BG. Bon, Tomorrowland. Salut, Jordan. Salut. Salut, Jordan. Okay, Abdel, il va assurer notre sécurité. C'est le boss. Viens d'arriver dans la chambre au chalet. Le bois, ça, ouais, ça travaille de fou. Je sais pas pourquoi, c'est, mais je pense que c'est parce que c'est les pousses, elles ont été posées. Quand il y avait pas beaucoup de monde, quand on rentre, je crois que le bois, il s'adapte au fait qu'il y ait du monde. Tu vois. Ah, mais oui, putain. Là, on vient de très bien vendre quelque chose, là. C'est ah bah, ça fait plaisir. Jonathan, Jonathan, plaisir, ça fait plaisir. Jonathan, il veut que je me dépouille de 800 balles. Exactement, mais pour le bien, hein, on est sur de la qualité. Ouais, non, ouais. Et puis, on est sur des vrais trucs. En vrai, là, tu te trompes pas. Le bleu, il est. Ouais, il est le bleu, il plaît, bleu électrique comme ça. Essaye la veste déjà. Ouais, je vais essayer la veste, vas-y. Déjà, j'ai mis mon bras dedans, ça s'est mis automatiquement. Ça, c'est trop bien. Tu vois, comme ça, c'est 400 balles. Non, mais tu vois, regarde. En fait, tu vois, regarde les 400 balles. Je vais dire un truc, tout est dans les détails. Tu vois, t'as toutes les coutures là, comme ça, qui sont bien fermées, y a rien qui va rentrer dedans. Hop, il faut bien que ça te fitte, tout est déparlant, ça respire, tu vois, ça vient tomber juste un peu en tous les fesses, c'est nickel. Franchement, en vrai, fais des petits mouvements comme ça, comme si tu skiais un peu. Fais genre, tu te bats, fais genre un mec dans la rue, là, voilà. Non, bah, voilà, non. C'est bon. Ah. Alors, normalement, voilà, tu fais ta passe sur les pistes. Mais moi, j'en ai une, Jonathan, direct. Et boum. J'ai un doute sur le fait que tu prends des substances, Jonathan. Ah, bah, moi, alors, non, je te dis. Parce que tout Morland, ça date depuis le 19, je pense qu'il est. Non, mais on a commencé, on boit un petit peu de bière, des petits genépis, c'est normal. On est chaud.
Hop là, ça c'est cadeau. Tu viens de lever mon dernier frein d'achat. Quand est-ce que vous avez posté ça? Je veux l'avoir. Le 31, je crois. Le dernier jeudi du mois. Sur YouTube. T'as un message à faire passer ou un truc? Bienvenue à l'Alpe d'Huez, ça fait plaisir, venez tous, on est au top ici dans la station. Que des gens bien, que des gens stylés. Parfait. Et la station est stylée. En plus, tu peux passer ça sur le truc de la boîte, t'es refait, mec. Ouais, voilà, 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 ça va être ça. Alors, c'est top. Alors, ça te fait 1069, hop. C'est à toi, Jay. Oh la classe, c'est stylé. Je suis content parce que j'ai mis 1060 balles, voilà. Mais hein? 1060. Non. Ouais, non, c'est bon. Je crois pas. Si, si, je vous le dis. Oh, on se bat plus. Ah bon, messieurs? Alors, là, il est beau gosse. Ok, là, c'est pas des lol. Vrai flow. Hein. Abdel, t'en penses quoi? Franchement, hein, franchement. Là, ton avis, c'est simple, Abdel, ton avis dépasse celui de tout le monde. On considère la vérité, c'est la vérité. Top. Première sortie ski. Ouais, je suis content là. Ce soleil, mais regardez ce plan. En vrai, c'est magnifique, hein. Waouh! Je vais pas garder la cam très longtemps, mais je voulais quand même que vous voyez mon flot de ski. T'es mal la paire, t'es mal le pantalon, t'es mal la veste. Regardez ça. C'est le meilleur moment, l'après-ski. Oh bâtard, putain. Oh, tu m'as fait trop peur. Oh, ça va, tu m'as fait trop peur, Zaka. Oh, j'étais tranquille en train de dormir. Oh, ça dort dans le jacuzzi, les gars. Ah ouais, putain. Mettez les mains sur les hanches. Eh, qu'est-ce qu'on est en train de brûler? Allez, bien. Tu ne prends rien du tout, là. Okay, okay. Tu vas de haut en bas avec tes épaules. Donc, tu fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Montre-moi. Parce que là, on est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Y'a pas de coordination pour moi. Vas-y, tu veux danser? Juste ça, donne-moi une note là. Ah ouais, wow. Gars, ça c'est bon ça. Première fois de ma vie que je fais le Tomorrowland et la prochaine fois ce sera en Belgique et ce sera pour mixer sur la scène. Ta mission l'année prochaine, c'est de mixer là, pour faire tout notre possible pour que ça soit tard. Mais moi je prends chaud, hein. 1 heure, 2 heures, je m'en fous. Ça y est, le meilleur est là. Enfin arrivé chez moi, je suis mort. Tomorrowland, incroyable. Next step, ce sera celui de Belgique. Ça, très envie de le faire. On finit ce vlog en beauté quand même, j'espère que ce format-là, il vous a plu. Et je vous mets deux vidéos ici, une là, pour vous abonner, c'est juste là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle.